Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de remerciements, sous ce format-là en fait, sous le format de ce petit fond noir que j'avais mis la dernière fois pour remercier pour l'écosystème et les pétarous à la noix. Et là, cette fois-ci, je fais donc une vidéo de remerciements pour ce week-end de dingue à la Foire du Livre de Brive, la 36e Foire du Livre de Brive. Par où je vais commencer? Je vais commencer par vendredi soir, où je suis allé juste en me balader à la Foire du Livre et que je voulais absolument voir une... Alors je sais pas si on dit une auteur ou un auteur, ouais, on va dire pareil, un auteur, enfin une auteur, voilà, qui n'est autre que Lilou Massé, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, en fait, j'ai mon activité professionnelle qui est VM Prod et j'ai une autre activité derrière qui me passionne, qui est ni plus ni moins que le développement personnel sur l'atteinte d'objectifs, sur le se fixer des intentions, se fixer des buts, se fixer des rêves et les réaliser. Ça fait 6 ans que je fais ça depuis, voilà, depuis 2011-2012, où j'ai commencé réellement le développement personnel. Je commençais déjà avant, mais c'est grâce à ce développement personnel où j'ai atteint tous mes objectifs jusqu'à maintenant. Je me fixe encore des objectifs de plus en plus. Et c'est grâce à ce développement personnel que j'en suis à l'heure d'aujourd'hui là. C'est-à-dire que c'était un rêve de gamin d'être réalisateur. Je l'ai réalisé. Je continue dans mon évolution de devenir encore, voilà, d'évoluer encore plus dans ce métier-là. Et donc, pour moi, je devais absolument voir cet auteur qui est venu à la Foire du Livre de Brive, qui s'appelle Lilou Massé. Je regarde sa photo en plus parce que je l'ai affichée sur mon mur. Et puis voilà, elle m'a remotivé encore plus à faire ce défi des 100 jours que je mets sur ma chaîne principale, enfin sur ma chaîne secondaire, c'est-à-dire ma chaîne YouTube Vince Movies, qui est plus sur des petites activités personnelles et des activités en développement personnel. Et elle m'a motivé encore plus pour faire des choses encore plus grosses, encore plus... Voilà. Je n'ai même pas les mots pour l'expliquer, mais je vais continuer dans cette démarche d'inspirer les autres, d'aider les autres, et surtout d'aider moi, mais surtout de vous inspirer grandement. Donc ça, c'est ce qui s'est passé donc, le vendredi soir. Le vendredi soir, j'ai vu cette auteur qui m'a reconnu en plus à travers mes vidéos, donc comme quoi elles ne servent pas à rien, ces vidéos. Et ce qui est encore plus magique, et je vous montre des images, c'est qu'elle m'ait reconnu, voilà, qu'on ait eu tous ces. Qu'on ait pu discuter ensemble et qu'on ait pu discuter sur le défi des 100 jours. Donc je vous invite dans la description à aller voir la vidéo de mon défi des 100 jours sur cette vidéo-là, sur ce moment-là. Et puis après, suite à tout ça, il s'est passé des choses un petit peu dingues. Il s'est passé le fait qu'après je suis allé à un vernissage et puis des gens ont reconnu ce que je faisais. J'ai eu même droit à une personne qui m'a demandé un autographe. La première fois de ma vie, on me demandait un autographe. Donc c'est quand même marrant. Également j'ai eu Canal+ qui m'a demandé mes rushs pour un prochain reportage, donc ça c'est ouf, et surtout le lendemain, et là je vous montre les images. Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog de chez VM Prod et de chez Vince Movies à la Foire du Livre et pour une soirée de dingue. C'est parti. Je suis avec les Miss et je suis avec Nanou. Oui. C'est la déléguée, voilà. Donc là, on va faire un petit tour à la Foire du Livre. Alors, il y a Miss Limousin, il faudrait voter pour elle. S'il vous plaît, votez pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va faire un petit tour. Et il y a aussi Sandrine. Il y a aussi Sandrine. Pour rester V. Ah non. Pardon. Non, pour voter pour notre Miss Limousin. Bon, voilà, faut qu'on vote pour notre Miss Limousin. A bientôt. Hop. Je crois qu'elles sont gênées. Hein. Le fait de participer à cette 36e Foire du Livre en tant que caméraman officiel pour la délégation Miss Limousin. Donc merci la délégation régionale pour Miss Limousin pour Miss France. Merci, merci, merci. Également un énorme merci au conseil départemental de la Corrèze pour cette invitation
à la 36e foire du livre de Brive, je me répète à chaque fois, mais je vous montre les images, c'est juste ouf quoi. Notre Miss Limousin qui part en Californie là demain, voilà, j'ai fait une petite vidéo qui était vraiment bien, on a fait un petit tour du salon, on a fait un tour des stands, on a fait un petit tour aussi au stand de la Corrèze. Et puis le soir, je suis parti après dans le Lot pour faire une soirée où j'ai rencontré pareil un très bon DJ qui s'appelle Damien Arca, qui est très hard style. Mais franchement, voilà, j'ai passé un des plus beaux week-ends de toute ma vie avec des choses que je voulais absolument et qui se sont produites. Et voilà, il faut que je voulais vous refaire une vidéo pour dire merci à toutes ces personnes qui m'encouragent, qui me font confiance, qui me permettent de faire ce genre de choses-là. Et j'ai juste un mot à vous dire, ce sera autant sur le pro que sur le perso. Croyez en vos rêves et vous les réaliserez, franchement. Voilà, j'ai juste ça à vous dire. Croyez en vos rêves, c'est tout. Et suivez-moi, surtout. Suivez-moi parce qu'il y a des choses de ouf qui arrivent. Donc en tout cas les amis, je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment de me suivre sur cette page VM Prod, sur cette page Vince Movies, sur YouTube. Vous augmentez de plus en plus au niveau des abonnés. Voilà, les choses évoluent grandement et je vous en remercie infiniment les amis. Donc je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye.